années que je suis aux activités et actions de l'association EMA, et c'est l'occasion pour moi de féliciter les bénévoles qui sont engagés dans cette activité. C'est un travail merveilleux qui y est fait, et j'espère que ça va aider à faire progresser la recherche. Et puis, puisqu'on est dans une salle de classe, la chef des écoles que je suis me dit à quel point elle est fière d'avoir des écoles aussi qui savent se mobiliser sur des actions comme celle-là, et des écoliers qui savent donner un peu d'eux-mêmes. Vous allez mettre des baskets, vous allez courir, vous allez faire cette dictée. Faites pas trop attention au cours. La virgule. Je suis une virgule et je ne suis pas contente. Tout le monde dit que les virgules ne servent à rien. Je proteste. Les virgules servent à respirer. Ce n'est pas rien. Les virgules offrent des pauses et aussi des pauses. Écrivez-les comme vous voulez. Si vous nous enlevez les virgules, les phrases seront comme des autoroutes. Elles fonceront sans réfléchir. Et moi, j'aime bien prendre mon temps. Je trouve que les virgules ressemblent à des oiseaux. Elles sont posées sur les phrases comme des hirondelles, ou comme des escargots, ou comme des limaces. Elles ne font pas autant de bruit que les points d'exclamation. Elles ne se prennent pas au sérieux. Elles sont plus discrètes que les points d'interrogation. Et quand les virgules rencontrent des points, parfois, elles tombent amoureuses. Les points croient qu'ils ont toujours raison. Un point, c'est tout. Mais avec les virgules, ils s'adoucissent. Ils se mettent à douter. Ça donne des points-virgules. Les points-virgules aussi vont lentement. Ils aiment bien ne pas être oubliés. Ils sont petits. Ils ne sont pas très nombreux. Et on ne pense pas souvent à eux. Mais ils sont là. Il y a des gens comme ça. Des enfants et des adultes aussi. Ils font partie du monde. Ils ne ressemblent pas à tout le monde. Mais sans eux, ils nous manquent une part d'humanité. Vous avez compris le texte ? Moi, j'aime bien prendre mon temps. Et moi, j'aime bien prendre mon temps. Ou comme des escargots. Ou comme des escargots. Elles ne se prennent pas au sérieux.